mission confiée par nos fondateurs. Et quand ils sont là... N'arrêtez pas de tirer! Vous avez vu où il est passé? Ne le laissez pas! Ne le laissez pas! Cet après-midi, le voyou qu'on soupçonne d'appartenir à la Vox Populi a lancé une attaque violente. Les choses ont vite dégénéré. En proie à la plus grande haine, l'anarchiste a cruellement blessé un groupe de pacificateurs de Columbia. Vous aurez de quoi payer, l'ami. Chose ce truc-là. Press to summon murderous crows. Hold and release to create a nest trap. Yeah!
cet anarchiste est soit un mulâtre de petite taille, soit un Français borgne d'environ 1 m 45. Je dois pouvoir rejoindre Monument Island depuis cette station. Empêchez-le de bouger!
Je veux voir votre cadavre. Je dois recharger. Vous dépecez vivant. Okay.
a un autre aérotrame au-dessus. Si je trouve un moyen de grimper plus haut, je devrais pouvoir l'atteindre. Protège-moi, étonne-moi la force. Père Washington, entends-moi. Je sais ce que vous faites là, faux berger. Je vois chaque péché qui pèse sur votre âme. Wounded Knee, l'agence Pinkerton, la boisson et le jeu. Et bien sûr, Anna. Aujourd'hui, pour effacer une dette, vous venez prendre mon agneau. Mais certaines dettes ne s'effacent pas, Booker. Vous savez rien du tout. Mon domaine est la prophétie, monsieur DeWitt. Le vôtre est la violence. Savez-vous pourquoi ces hommes mourraient pour moi? Parce que j'ai vu leur avenir dans la gloire. Et cela leur suffit. Qu'est-ce qui vous amène à Columbia, Booker? Ramenez la fille et nous effacerons la tête. Ça va mal finir, DeWitt. Et enfin, c'est souvent le cas avec vous, pas vrai? Ça finit toujours mal. Vous venez m'arracher mon agneau, mais votre houlette est mauvaise et votre chemin tortueux. Retournez dans votre sabbat. Commande pour rejoindre Monument Island. Ok, je suis sûr que je peux le faire marcher. Le Seigneur, lui, peut tout pardonner, mais moi... Je ne suis qu'un prophète. Rien ne m'y oblige. Amen. Amen. Oh merde! Faut que je file d'ici! C'est loin.
Bien, nous y sommes. Monument Island. Je me demande pourquoi ils l'ont enfermé là. Me demande à quoi ça sert. C'est une chose d'imaginer son avenir, c'en est une autre de le voir. Car j'ai vu les graines des flammes qui prépareront la Sodome inférieure à l'arrivée du Seigneur. Mais c'est Élisabeth qui les sèmera, pas moi. Je chuterai avant que le travail ne soit accompli, mais elle reprendra le flambeau. Le Seigneur me rappelle à lui. Je peux sentir son amour dans chacune de mes tumeurs. Elle qui me rapproche... Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire à cette fille ? ...de lui. Et je m'en vais la joie au cœur, sachant qu'Élisabeth prendra ma place terrestre. Mais le faux berger sera bientôt là, et il tentera de détourner mon agneau de son chemin. Je ne quitterai pas cette vie tant qu'elle ne sera pas à l'abri de ses illusions. Le dressing, c'est là que je dois aller.
Michael. Pire en pire, ce boulot. Qu'est-ce qui rend cette fille différente? Je pense qu'il s'agit moins de ce qu'elle est que de ce qu'elle n'est pas. Une petite part d'elle-même a conservé ses origines. Il semblerait que l'univers n'aime pas trop mélanger les corps. Un ami. Je suis là pour te libérer. Laissez-moi! C'est bien vrai. Aussi vrai que possible. Il arrive. Vous devez partir. Pourquoi? Il ne doit surtout pas vous trouver là. J'arrive tout de suite. Je termine de m'habiller. Je peux te faire sortir d'ici. Il n'y a pas de sortie, croyez-moi, j'ai cherché. Arrête, sois un peu patient, ça suffit. Et ça, c'est quoi? Comment ça? La sortie? De quoi vous parle? Donnez-moi ça. C'est la sortie! Gardez.
Ça coûte rien d'essayer. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Par ici, venez! Appelle l'ascenseur! Hein? Et appuie sur le bouton! C'est quoi tout ça? Alors il me surveillait? Depuis le début. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils m'ont enfermé, hein? Je suis quoi? Je suis quoi, moi? Tu es la fille qui va s'enfuir de cette tour! Il ne faut surtout pas s'arrêter. Il va détruire tout le bâtiment. Par là. Sois prudente, Elisabeth. Qui vous a dit mon nom? Pas maintenant. Il y a une porte là-haut. Pousse-toi, je vais essayer. Ce que vous lui voulez. Ouvrez cette porte, tout de suite! Vous allez lui faire du mal! Dites-moi ce que vous voulez! Anna! Anna! Anna. Non, c'est moi.
Elisabeth, vous allez bien? Où je suis? De retour parmi les vivants. Tenez, je vais vous... Non, ça va aller. Vous avez failli vous noyer, vous devez... Ça va aller, je te dis. Laisse-moi juste une minute. Vous entendez? Oh, de la musique! Vas-y, continue. Très bien, je ferai vite, monsieur DeWitt. Elle est où? C'est peut-être comment sa biographie se termine, mais j'ai vraiment du mal à lui trouver un point de départ autre que les histoires pour gamins. Je cherche une jeune fille. Indirigeable. On va peut-être réussir à s'enfuir. J'étais abandonné sur l'autre rive. On risque bien de me traiter de plagiaire, mais je vais passer les 30 premières pages à recracher les textes sacrés. Tout est truqué. Je veux juste une paix honnête pas ici. Pour un travail honnête. Les temps changent. Les gens... Nous pourrions peut-être nous promener sur le rivage. Regardez, mesdames, que quelqu'un lui tende un beau costume de bain. Pivotez ! Droite ! Quelles impressions ! Vous êtes costaud ! Costaud ! Imaginez que vous êtes Hercule. Oui ! Comme ça ! Bien, mademoiselle. Trois ! Ah, ça c'est la belle. Hey, oh! Hey! Elisabeth! Oh, c'est vous, c'est merveilleux! Oh, dansez avec moi, monsieur DeWitt! Non, je danse pas. Allez, on y va. Pourquoi? On est drôlement bien ici, non? Et si nous allions à Paris? Paris? Je ne comprends pas comment on irait. C'est là que va ce dirigeable, mais si tu veux rester et danser un peu, à toi. Non, allons-y. Allez, on y va. On y va, vite, allez. Je suis sortie. Je sais que c'est dur à croire, mais c'est vrai pourtant. Oh, vous sentez ça? Je n'ai rien senti de pareil de toute ma vie. Et vous? Mes plages à moi ne sentent pas comme ça. Vous bouchez la vue. Monsieur DeWitt, Comstock. J'ai entendu parler de lui. Il paraît qu'il peut lire l'avenir. Donne un peu de pouvoir à un homme. Il ne manquera plus jamais de vanité. Je n'aime pas son air. Vous n'aimez pas l'apparence du prophète? Ou son regard? On peut partir. Cette petite baignade ne vous a pas fait du bien. Laissez-moi chercher de quoi vous soulager un peu. Monsieur DeWitt, là! L'oiseau? Ou la cage? Ou alors l'oiseau? Il vaut mieux la cage. Encore eux? Mais comment? Bon, peu importe.
Regardez, c'est incroyable. Lequel préférez-vous? Celui-ci ou celui-là? L'oiseau est magnifique et la cage est lugubre, mais elle a vraiment quelque chose de spécial. J'ai du mal à choisir. La cage à gauche. Vous êtes sûr? Certain. J'adore. J'aurais dit l'oiseau. Si c'est pour être mauvais perdant, la prochaine fois ce sera sans moi. Oh mon Dieu! Mon Dieu! Forcément! Qui d'autre ferait... Regardez! Tu vas bien? C'était chez moi. Vaut mieux pas rester ici. Allons-nous-en. Le prophète ne nous dit que ce qu'il veut. Allez, tout va bien. Tout va bien. Oh, Frédéric! Il leur montrera où était son bain pour les protéger. Ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi les Handyman ne se montrent jamais quand on a besoin d'eux. Vous devez être en mesure de présenter une pièce d'identité munie d'un photogramme. Les bras en l'air. On écarte les doigts et les jambes. On bouge pas. Restez tranquille. Bon, je passerai pas par là. Je sais comment faire. Venez. Regardez-moi ça. Hé, le flic. Regarde-moi celui-là. Je vois pas du tout l'intérêt d'arrêter tout le monde pour trouver cet homme. Très bien, très bien. Ferme-la un peu, puis rentre chez toi. Une suffirait simplement de désinfecter Vincent. Ah, c'est fermé. Mais qu'est-ce que tu fais? Vous êtes agaçant. Qu'est-ce que j'ai l'air de faire? Voilà. Où as-tu appris à crocheter? Quand on est enfermé dans une tour, les journées sont longues. Vous n'imaginez même pas ce que je sais faire. Voilà. Oh, bonjour, monsieur. Faut pas faire attention à moi. Hein. Hey, monsieur DeWitt. J'ai trouvé de la monnaie. Il y a un distributeur là-bas. Vous y trouverez peut-être de quoi vous soigner. C'est probablement une bonne idée. Monsieur, est-ce que vous auriez l'heure? Prenez la pose près du père fondateur de notre nation et repartez avec un photogramme. Il a abattu un cerisier, il a franchi le Delaware. Et un autre beau pays! Par ici! Le pistolet parfait. C'est le tout dernier modèle. Ils ont repoussé 3 fois sa sortie. Annabelle? Pardon? Annabelle, c'est moi, Esther! Oh, non, vous devez faire erreur. Vous êtes sûre? Je m'appelle Elisabeth. On se connaît? Elisabeth, c'est un très joli prénom. C'est... étrange. Dernier client, on ferme le parc. On ferme le parc, tout le monde. Ouais, vos chaussures mériteraient un bon désolé. Coup de tirage. J'ai pas dû faire très attention. Eh, faites attention, je viens de nettoyer. Vous faites aussi du chou? Du chou? Je suppose. J'en prendrai un, s'il vous plaît. Combien? Aucune idée. Une pièce d'argent. 2 billets pour monter sur le dirigeable, première dame. Ouais, 1 minute, l'ami. Oui, je l'ai. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai pas trop le temps, l'ami. Hé, monsieur. Bien, compris. Je vous rappelle dès que ce sera terminé. Ah, j'aime pas ça. Envoyez l'oiseau. On est prêt à commencer. Ne bougez pas! Allez! Qu'est-ce que vous faites? Attrapez-la! Ne me cherchez pas! Oh!
Tranquille. Laissez-moi. Elisabeth. Laissez-moi tranquille. Rendez-vous. Je vais vous blesser les rangs. Gibier de potence. Elisabeth. Elle est où? C'est pas vrai. Ne bouge surtout pas! Laissez-moi tranquille! Hey, reviens par là! Vous les avez tués? Je n'arrive pas à y croire. Ils sont morts. Vous avez été sans pitié! Elisabeth... Vous êtes un monstre! Comment tu pensais que ça allait se finir? Quoi? Tu as vu le mal que ces gens se sont donnés pour te garder enfermé dans cette tour? Tu crois qu'ils vont te laisser partir comme ça? Pour eux, t'es un investissement. Et tu ne seras en sécurité qu'une fois parti loin d'ici. Qu'est-ce qu'ils veulent faire de moi? Je l'ignore. Mais tu peux me croire. Si tu ne tires pas le premier, tu ne tireras jamais. Vous saignez. Venez. Ce qui s'est passé là-bas, ce n'est que le début, c'est ça? J'en sais rien. Là. Fermé. Comment va-t-on pouvoir rejoindre le dirigeable? Voyons si je peux ouvrir cette porte à la main. L'électroquartz, le meilleur des générateurs. Un genre d'électricité, sûrement l'idée d'un fou. On dirait que ça ne marche pas très bien. Y voilà, la première dame. Il se dirige vers le quai. Et il nous emmènera à Paris? Ne t'éloigne pas. Oui, monsieur DeWitt. Booker. Oh, très bien, Booker. Vous voulez rejoindre la nacelle ou vous promener sur la jetée? Je suis sûre que nous trouverions des choses utiles par ici. Ugh!
On doit faire venir la nacelle si on veut rejoindre ce dirigeable. Je crois que ce sont les commandes qui la dirigent. Ça ne bougera pas si on n'a pas d'électro-quartz. Bien entendu. Et où on va trouver ça exactement? Regardez! Découvrez l'avenir de l'énergie dans l'antre des héros. Ah, ben voilà qui tombe à pic. Messieurs, le faux berger rôde dans les rues de notre belle cité. Aurez-vous la honte de voir vos femmes et vos filles tomber sous le charme de ces mensonges? Ou agirez-vous? Agissez pour vos femmes, agissez pour vos filles, agissez pour votre prophète. Quand j'étais petite, j'ai rêvé que je me tenais dans une pièce et que je regardais une fille qui était à la fois moi, mais sans être moi, qui elle-même regardait une autre fille qui était elle aussi moi, sans l'être. Entre des héros, fermé jusqu'à nouvel ordre. Bien, on n'aura pas à faire la queue. Possession now turns machine and man into allies. Il y a un problème? Non, rien d'insurmontable. Oh, oh, une abeille. J'ai horreur de ça. Eh ben, tu l'as alors. Non, elle va me piquer. Elisabeth. J'ai une bien meilleure idée. Oh. J'essaie d'ouvrir une paille. Oh, mâche. C'est quoi, ça? C'est une paille. J'en ouvrais très souvent quand j'étais dans ma tour. C'est quoi, une faille? C'est comme une fenêtre. Une fenêtre vers un autre monde. La plupart sont d'un ennui mortel. Une serviette d'une autre couleur, du thé au lieu du café. Mais parfois, j'y vois de vraies merveilles. Et je les fais sortir. Et voilà. Incroyable. J'imagine que t'y caches pas un dirigeable. Je ne crois pas, non. Mais j'y vois quelque chose. Oh, non! Referme-la. Je fais que ça! Referme-la!